Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'ouverture de cristaux, donc de tous ceux que j'ai collectés cette semaine. Alors, donc j'ai pas mal de cristaux de quête d'alliance, des cristaux de fragments de catalyseurs. J'ai aussi des cristaux d'arène, des cristaux de catalyseurs 3 étoiles, vainqueurs de guerre, pierres spéciales 3 étoiles que j'ai eues via les événements solo et via la faille 1 étoile, cristal de pierre spéciale 4 étoiles et 70 cristaux d'arène. Et en plus de ça, je vais vous ouvrir, donc comme promis depuis quelques semaines, les 40 cristaux de Docteur Vaudou et Mordo. Donc c'est parti. Donc on va commencer par les cristaux de quête d'alliance les plus faibles. Donc on va commencer par celui de 1. Donc ceux-là, c'est ceux qu'on a eu grâce aux étapes. Donc bon, je... Bah après, c'est pas mal des fois d'en avoir un peu, comme ça permet d'avoir des soins, par exemple là, voilà, une réanimation d'équipe, bon, même si ça, j'en ai toujours trop, je suis obligé des fois de les gâcher, parce que voilà, j'en ai toujours trop. Donc, on va ouvrir les 4 et... Non, les 4, on va les ouvrir maintenant, comme j'en ai pas beaucoup, et que j'espère pas grand-chose des 4. Voilà, du tech, du virtuose, c'est très bien le virtuose. Mystique un peu moins. Je vous montrerai donc à la fin l'évolution. De l'évolution, voilà, pour mes catalyseurs. Même si bon, à part là, j'en aurais pas. J'en formerai pas avec mes catalyseurs, si, avec mes fragments, si j'en ai pas de complet. C'est sûr. Alors, on va ouvrir ça. Bon, ça de toute façon, voilà, je les ai laissés, j'aurais pu les ouvrir hors vidéo, mais bon, je me suis dit, voilà, ça. C'est pas long, et bon. Voilà. Donc, ça, faut savoir que voilà, j'en ai eu. Je suis tombé sur un chemin où il y en avait 10 des pierres, donc sur la faille 1, donc j'étais plutôt content. Parce que c'est pas mal d'avoir des pierres comme ça. Ça permet d'augmenter un peu les compétences de nos 3 étoiles pour arriver au oh, pour arriver aux compétences max. Par contre, ça, c'est pas terrible du tout, hein. 2 x 3 000 de loyauté sur des vainqueurs de guerre, alors que sur des perdants, quand on perd, voilà, les cristaux, quand on perd la guerre, on a la même chose, quoi. Bon, c'est pas terrible. Pas de mystique. Je ne pourrai toujours pas augmenter à 10 mon Ghost Rider. De toute façon, j'ai jamais de mystique. Faut le savoir, il me donne jamais de mystique. J'en ai plein de toutes les autres, mais aucune mystique. Donc, on va ouvrir les cristaux solo. J'en ai pas énormément, mais bon, on va en ouvrir, hein. Oublié que j'avais des cristaux solo, du coup j'aurais pu les prendre un peu avant. C'est pas grave, ça prend pas hyper longtemps. Alors les cristaux de Mordo, je sais pas, j'ai pas envie de les ouvrir un par un parce que c'est très très long, mais je pense les ouvrir 3 par 3 parce qu'apparemment 3 c'est pas par 3, il y a pas mal de chance et tout. Et d'un autre côté, on va pas trop vite non plus, on voit pas ces unités défiler comme je sais pas quoi, donc c'est pas mal. Une pierre spéciale mutant, c'est pas mal. Des boosts d'arène 4 étoiles. Bon, du boost d'XP. C'est pas génial. Mais ça va, c'est mieux que les cristaux de vainqueur de guerre. J'avoue que je suis un peu déçu par mes cristaux de vainqueur de guerre. Donc, on va ouvrir les 10 comme ça. Du cosmique, c'est pas terrible d'avoir du cosmique. J'ai pas de science. Science, il m'en aurait plus fallu que du cosmique. Donc c'est comme la dernière fois, je vous dis mystique, j'en veux pas mal parce que voilà, j'ai plein de héros mystiques que j'adore. Guillotine, Iron Fist, que j'ai doublé et que j'adore. Après c'est sûr, il y a Sorcière Rouge, il y a Doctor Strange, vous allez me dire, voilà, c'est les tops mystiques. Mais ils sont pas doublés les miens, donc pour l'instant, c'est vraiment pas ceux que je montrerai en 5. D'ailleurs en 4 non plus, étant donné qu'ils sont toujours pas en 4. Et Cosmic, j'en ai déjà 3, mais j'attends d'avoir mieux pour monter au rang 5.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut ouvrir avant ces cristaux-là? On va ouvrir les cristaux d'arène. Donc c'est pour me rapprocher. Parce qu'en fait, je vous explique. Normalement, cette vidéo devait sortir hier. Mais en fait, comme vous le savez, vendredi, donc pour le Black Friday, Kabam a mis l'offre à 900 unités, 3 T4B. Donc 3 catalyseurs basiques, 4 étoiles. Et donc là, je me suis dit, est-ce que je les prends? Alors que, bon, j'avais déjà 6000 et quelques unités, 6200, je crois. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je les prends? Et je me suis dit, bon, on va essayer, on va attendre, voilà, on va les prendre. On a des cristaux d'arène, on va les ouvrir, on va essayer de se rapprocher un maximum des 6000 unités pour en avoir 40. Et en plus, comme aujourd'hui, dans le calendrier, on a eu 40 unités, je me suis dit, voilà, on attend. Du coup, j'ai pu avoir un peu plus d'unités via les quêtes, via les événements, via le calendrier. Et comme je joue Crossbones, j'ai eu pas mal d'insignes en plus depuis hier. Donc du coup, voilà, j'ai possibilité d'avoir quelques unités. 75, très bien. Ouais. Pas terrible pour l'instant, c'était pas mal au début. Ouais, c'est pas terrible. Et ben c'est pas la joie. Hein. Donc on pourra en ouvrir. On pourra en ouvrir. On pourra en ouvrir 37. Presque 38, mais bon, du coup, pas 38. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut ouvrir? Bah je crois que c'est tout. Hein. Je crois qu'on peut ouvrir. Voilà, on va ouvrir nos cristaux de quête d'alliance. Donc bon, j'espère pas en avoir de complet, mais bon, on va essayer de se rapprocher avec les éclats. Alors, 1000 sciences, 4600, 1000. Pour l'instant, il n'y a pas de cosmique, si du cosmique, mais pas beaucoup. Et j'ai pas eu de tech. C'est pas terrible. Si j'ai eu du tech là. Donc 3, oh, 3000 virtuoses, c'est très bien. Pas beaucoup de cosmiques, c'est bien aussi. Du mystique, c'est bien. J'ai eu pas mal de basiques, donc ça me fait presque un quart de basique, c'est pas mal. Donc c'est pas mal, hein. C'est pas fou non plus, mais voilà. Donc, de toute façon, je vise vraiment que les fragments, parce que j'ai vraiment jamais de chance dans les cristaux de quête d'alliance. Que avec les trois, en fait. C'est ça qui est assez bizarre. D'ailleurs, je sais pas vous, mais les cristaux de quête d'alliance 3, c'est vraiment joué avec pas mal de gens de mon alliance. Voilà, avec qui on parle justement de ces cristaux de catalyseur 3. Et ils me disent, voilà, il y a presque que là-dedans qu'on en a eu. Hein. Moi, personnellement, j'ai eu un mutant, un tech dans les cristaux de catalyseur 3, puis un science il y a quelques semaines, voire mois. Et sinon, tout le reste, c'est des catalyseurs que j'ai eu, bah, des catalyseurs dans des cristaux de catalyseurs de classe que j'ai eu dans justement les challenges, l'acte 4, voilà, les trucs dans ce genre. Donc, on va ouvrir les cristaux de Docteur Vaudou. Donc, faut savoir que je vais les prendre que 3 par 3 parce que si j'ai les deux. Je vais plus dépenser mes unités en fait. Voilà. C'est parti. Pour commencer, on commence mal, hein, bien sûr. Ça aurait été trop beau de l'avoir dès le début, hein. Ça serait bien que j'aie au moins un petit 4 étoiles, quoi. Ça serait sympa, parce que bon, j'aimerais bien pas dépenser mes unités pour rien, quoi. C'est vraiment pas terrible, hein. C'est vraiment pas terrible. Putain, c'est incroyable quand même. Hein. J'ai vraiment pas de chance avec ces cristaux. Hein. Quand je vois qu'il y en a qui ouvrent et ils en ont un dès le premier, quoi, je me dis, mais c'est quand même incroyable. Hein. C'est quand même incroyable qu'après 2 ans de jeu comme ça, j'ai toujours pas de chance sur ces cristaux, quoi. Ah, un 3 étoiles. Quand même.
Mais bon, c'est vraiment pas ce que j'attends de. C'est vraiment pas ce que j'attends de ces cristaux-là, quoi. Donc là, ça fait. Je crois. 4. C'est lequel, la quatrième? Un autre 3 étoiles. Bon, c'est pas encore le top, mais bon. Les vieilles offres. Donc là, il m'en reste 20. Donc là, ça veut dire que j'en ai ouvert. Non, il m'en reste 19. Du coup, j'en aurais ouvert 30. Bah 8, donc c'est la sixième. Oh non! Oh putain! Oh non! Oh là là, mais qu'est... Bon bah je venais de dire que j'avais pas de chance sur ces cristaux. Et bah là... Oh là là, je suis refait. Vous savez pas à quel point. Oh là là. Mordo. Super, super. Oh là là. Oh là là, je... En plus... J'ai toujours pas joué avec le Mordo 3 étoiles. Mais là, oh là là, mais je suis super content. Franchement, je suis super content. Et pourtant, j'ai jamais de chance sur ces cristaux. J'en prends, à part là, parce que je les stockais. Je prenais vraiment toutes les semaines. J'en prenais 3, quoi. Quand il y avait Quake, j'en ai pris 10. Depuis Quake, j'en prends plus. Parce que après, il y a eu Phoenix. Je gardais pour. Si, avec Phoenix, non, j'en ai pas pris. Depuis Quake, justement, je garde. Mais sinon, avant, quand il y avait eu Gambit, j'en avais pris 10. Quand il y avait eu Faux, j'en avais pris 10. Diablo, j'en avais pris 30. Voilà, c'est. Oh bah! Non, mais c'est pas vrai! Non, mais. Oh là là! Oh là là, non, mais. Hey, c'est pas possible! Oh là là, bah. Je suis vraiment content que ça se passe en vidéo. C'est incroyable! C'est incroyable! Donc, là, je vous le dis. Je me tâte. Parce que je me dis, si je les double. Si je les double, parce que là je suis vraiment bien parti quoi. Mais non, je vais garder mes unités, je vais être sage. Je vais garder mes unités parce que. Parce que franchement, j'ai pas envie de les gâcher. Enfin, ça, je me tâte quand même, hein, parce que là j'ai vraiment beaucoup de chance sur ces cristaux. Ah. Est-ce que je les utilise? Bon, allez, je vous ai promis de les utiliser, je les utilise. Allez, c'est bon. Même si je les gâche, voilà, ça aurait été rentabilisé, j'aurais eu les deux. Voilà, donc j'utilise. Oh bah, Holman Logan doublé. Oh là là, mais j'ai. Hey. Oh là là, ça... parce que je vous explique, comme je suis en bien plein stockage depuis presque 3 mois, là je vais bientôt être justement atteindre les 3 mois. Je vous dis, j'ai pu ouvrir de 4 étoiles depuis des lustres. Et là, de voir des 4 étoiles tomber comme ça, c'est. Oh là là, c'est incroyable. Franchement, je suis content, mais je. Voilà, oh là là, c'est incroyable. 3-4 étoiles, dont les deux vedettes. Et eh bah ben là, je vais jusqu'au bout des unités. Hein. Je sais que c'est pas. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup, voilà, on en parle dans ma team, qui gardent leurs unités à fond pour le labyrinthe des légendes. Mais moi, je me dis. Voilà, pour l'instant, je me sens pas paré pour le labyrinthe des légendes. Et de toute façon, on pourra le faire. On pourra le faire dans un an, on pourra le faire. Voilà, donc je me dis, autant les utiliser, autant prendre du plaisir. Et là, quand je vois une ouverture comme ça, je me dis, oh là là, non mais c'est, hey, c'est pas possible. C'est, non mais, oh là là, hey, commentez cette vidéo, partagez-la parce que c'est quand même incroyable. Franchement, elle est incroyable cette vidéo. Franchement, c'est la première vidéo que je fais où je suis vraiment, oh là là, c'est incroyable. Pouf. Ah, c'est fou, c'est fou. C'est fou, mais là, ça fait les 4 derniers, là, j'ai eu que des 4 étoiles. Bon, fallait que ça s'arrête à un moment. Mais ça, c'est incroyable, c'est incroyable. Ah là là, c'est fou, c'est fou. Sérieusement, 4 fois d'affilée, j'ai eu Mordo, Docteur Vaudou, Holman Logan. Donc Holman Logan, je ne l'avais pas doublé, comme vous avez vu, voilà, je l'ai éveillé. Par contre, Symbiote, je crois qu'il est éveillé, il était éveillé à 40, donc là, je l'éveille à 60. Donc il commence à être intéressant, je pourrais le monter à... Je pourrais le monter à 4, à 4. Je pourrais le monter rang 5, mais bon, je sais pas, ça m'attire pas plus que ça. Bon, de toute façon, là je vous dis, mes unités, elles sont pas gâchées du tout.
Donc voilà, j'aurais pas doublé Mordo et Docteur Voodoo, mais déjà, c'est tellement incroyable d'avoir eu de les avoir eu tous les deux, déjà. C'est incroyable. Et deux, trois étoiles pour finir. Voilà. Bon bah super, voilà. Je suis, mais voilà. Je suis refait là, mais vraiment. C'est incroyable. Franchement, cette ouverture exceptionnelle. Donc je vais aller les voir, hein, parce que... Ah là là, ça va être exceptionnel. Donc bien sûr, ça implique que je vous ferai une présentation, donc sûrement sur Old Man Logan, sur Hulk Rouge dès que j'aurai monté, sur Crossbones que je vais avoir ce soir, parce que je pense que je suis pas mal niveau score, là je dois être à 5 millions 2, je vais monter à un peu plus de 6 millions, donc je l'aurai. Je vais le monter rank 4, donc vous aurez une vidéo up. Vous aurez sûrement, obligatoirement, vidéo up sur Docteur Voodoo, sur Mordo, obligatoirement. Une présentation de ces deux personnages, donc ça va être... Les prochaines semaines vont être ouf. En attendant, la grosse ouverture qui s'annonce exceptionnelle, encore plus exceptionnelle que cette ouverture. Même si là, franchement, je pense que cette vidéo restera dans les annales, je pense. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne, donc deux nouveaux champions. Je suis heureux, mais... Vous pouvez pas savoir. Je suis très content que ça se soit passé en vidéo. Parce que j'ai vraiment... Je vous dis, j'ai jamais de chance. Je prends pour... je sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, à Noël. Donc, à ce moment-là, d'ailleurs, je stockais. J'ai tout ouvert le soir de Noël. J'avais 4 500 unités. J'ai ouvert 30 cristaux de Groot. Parce que Groot, je l'attendais, mais à mort à ce moment-là. Parce que j'adore les Gardiens de la Galaxie. J'adore ce film. J'adore les personnages. Et donc Groot, quand je l'ai vu sortir, je me suis dit, mes unités, je les garde jusqu'à ce qu'il sorte. Donc il est sorti le 23 décembre ou 24 décembre de l'année dernière. Du coup, le soir où il est sorti, j'avais plein de cristaux, j'ai tout ouvert. Et j'ai ouvert aussi les 30. Et j'ai rien eu. Et depuis, pour presque tous les persos, toutes les 2 semaines, j'ai 1 500 unités, je les utilise, j'en achète 10 à chaque fois. Et je n'ai rien, jamais rien. Alors que quand je vois des gens, j'en ai même dans l'alliance, hein, des potes de mon alliance, ils achètent un cristal, ils l'ont. Bon, ça leur arrive pas tout le temps, bien sûr, hein, mais voilà. Et là, quand je vois ça, je me dis, mais pourquoi pas moi? Et là, oh là là, incroyable, franchement, vraiment incroyable. Donc je vais vous montrer les deux merveilles. Donc déjà, non, je vais d'abord vous montrer le Old Man Logan, qui a beaucoup gagné. En indice, ah oh oui, il a gagné de l'indice. Hein. Donc il a griffe sortie. D'accord. C'est pas mal. Je suis content parce que je le mets en versus avec Spider-Gwen et Rhino. Parce que j'ai pas vraiment d'autres personnes avec qui le mettre. Du coup, c'est bien parce que Spider-Gwen est doublé, rang 3. Je me dis comme ça, voilà, c'est pas mal. Et le Spider-Man symbiote, donc je vais voir à combien il est doublé, mais je crois que c'est à 60. Oui, c'est mon pre. Donc ça sera mon premier. Celui qui sera augmenté à la compétence spéciale la plus haute. Et donc on finit par les deux bijoux. Les deux bijoux. Donc là, je vous annonce. Normalement, je vous dis toutes les 2 semaines, je garde mes unités. Et j'utilise 10 cristaux pour le héros. Sauf que là. Comme la semaine prochaine, dans 2 semaines, je ne sais pas qui ça sera, mais le deuxième héros, ça sera Docteur Voodoo. Et comme j'ai déjà Docteur Voodoo, je vais attendre un mois. Donc dans un mois, il y aura un héros qui sera sorti, donc qui sera encore dans ces cristaux-là, et le tout nouveau héros. Du coup, voilà, je vous annonce, 20 cristaux à ouvrir, donc toujours par 3, je pense, parce que par 3, ça me réussit bien, on vient de le voir. Et ben voilà, donc je vous annonce 20 cristaux de je ne sais pas quel personnage. Là, je vous avais dit ça sera Docteur Voodoo parce que tout le monde savait que ça serait Docteur Voodoo parce que Mordo venait de sortir. Et donc là, bah je sais pas qui ça sera. Mais voilà, je vous annonce ça sera 20 cristaux de ces deux personnages. Et là, oh là là. Donc il y a encore le Hulk rouge à monter, bien sûr. C'est dommage que gain de niveau soit passé. Parce que j'aurais pu faire monter Docteur Voodoo et Mordo. Mais bon, donc, on va commencer. Non, par Mordo, parce que Mordo, plus de personnes le connaissent. Donc voilà, donc je vais pas vous faire sa présentation. Hein. C'est juste pour vous le montrer, voilà, et pour... Et d'ailleurs, il a gagné des synergies, donc je vous montrerai ça, parce qu'il en avait qu'une, je crois, ou deux. Deux en 4 étoiles et une en 3 étoiles. Et là, il en a 4 maintenant. Et je crois qu'il en a une avec des personnages que j'ai. Donc,
C'est sympa. Et Docteur Voodoo, que je kiffe déjà. Je, voilà, je le surkiffe déjà. Donc, je vous annonce, je vais pas les... Voilà, j'aurais pu... Voilà, ça aurait été sympa que je les ai en plus. Mais d'un autre côté, je me dis... Voilà, si j'ai des pierres mystiques, 4 étoiles, d'éveil, ça sera pour eux, c'est sûr. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à la partager un max. L'aimer un max, la commenter, voilà, pour me dire si vous avez eu un super tirage également, voilà. Et sur ce, bah, je vous retrouve pour une prochaine vidéo dans la semaine. Donc sûrement deux ups. Au prochain gain de niveau, il y aura des ups, c'est sûr. De Crossbones, de Dr. Voodoo et de Mordo. Des présentations, donc de ces personnages. Et des ouvertures de cristaux la semaine prochaine. Voilà, allez, bonne journée. Bon jeu à tous.